je suis pas content, il y a Wolfgang Schäuble qui est mort. Wolfgang Schäuble, vous ne connaissez pas? Bande d'ignobles complotistes, frexiteurs et anti-vax. Non, je déconne, moi non plus, je ne savais pas qui c'était, mais c'est l'ancien ministre de l'économie allemande. Il est cané. Ouais, c'est un monsieur important. Déjà, son métier pendant 60 ans, ça a été quand même de niquer des Français. Enfin, en vrai, si, c'est ça. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on a naturellement fait? Un grand hommage. Notre leader suprême, tenez-vous bien, est allé rendre hommage à ce grand homme. Der Lebensweg dieses großen Deutschen, dieses großen Europäers. Attends, stop, parce que pourquoi ils parlent allemand déjà? C'est même pas les versions où ils font le doublage de... Hein? Non, c'est pas lui qui parle allemand. Il parle pas allemand, Jupiter. Il fait plein de trucs, il est boulanger, sous-marinier, coiffeur, astronaute, mais il ne parle pas allemand, on le saurait, je veux dire. Il a suivi une formation express pour apprendre l'allemand en vue de son discours. Ah ouais, ah bah finalement, tu sais te les sortir. Bah les doigts du cul quand c'est pour aller faire le malin chez Papa Schulz. Ah bah elle est bien bonne celle-là. Donc du coup, ça dure combien de temps cette merde? 6 minutes? Je vais pas tenir. Die deutsch-französische Freundschaft ist die Hüterin dieser Formel. Ok, stop, tu vois, j'avais promis, je tiens pas. Je sais, j'ai pas laissé longtemps, mais je peux pas. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est le ton grisâtre, le cadrage, l'écho, le fait que. Oh, je suis désolé, on dirait le fauteuil de Palpatine quand on zoome. Donc il y a un truc qui m'angoisse et je peux pas. Je suis désolé, c'est au-dessus de mes forces. Hein, donc il a parlé de quoi? De l'extrême droite? Oui, normal, bah, ils sont allemands, donc tu parles de l'extrême. Bah si, c'est comme ça qu'on fait. Moi j'ai un ami chinois, par exemple, quand il vient. Bon, on parle manga, parce qu'il est chinois, donc on parle de ça, voilà, ou de NEM. Bon, quand tu vas voir un pote allemand, tu parles Shoah, c'est logique, tu vois, c'est des habitudes culturelles. Et bah oui, je sais, Manuel, mais il va falloir arrêter de parler que de ça tout le temps, parce que ça emmerde les gens aussi. Hein. Il y a des gens au dîner, ils étaient peut-être pas venus pour ça aussi. Hein. Je sais, t'es angoissé, Emmanuel Macron, en ce moment, il est terrorisé par l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Et oui, tu sais quoi, Manuel, en vrai, je compatis. Je compatis à ton angoisse de voir l'extrême droite arriver au pouvoir. Le problème, c'est que l'histoire de France m'a enseigné, et a enseigné, je pense, à beaucoup de gens qui regarderont cette vidéo, une méfiance naturelle envers cette catégorie de gens de la bourgeoisie qui, dès qu'ils voient arriver l'extrême droite au pouvoir, se mettent à apprendre l'allemand en 3 jours. Voilà, c'est là où, du coup, on a un peu peur. C'est fou parce que dans l'épisode d'hier, on nous avait promis Macron 2.0, c'est les meetings du général de Gaulle, et on termine avec un mec qui parle allemand pendant 6 minutes. Il est génial, ce pays. Après, il a totalement raison d'avoir peur de l'extrême droite, Emmanuel Macron. Bah, quand ils sont au pouvoir, ils font n'importe quoi, là, à Béziers, là. Maintenant, ils vont faire des tests ADN sur les cacas de chiens. Oui, c'est pas une blague. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des mecs qui vont passer, vont faire des tests ADN sur le caca. Et non, c'est pas South Park, je rappelle, pour les nouveaux abonnés, c'est une revue de l'actualité. Et si c'est le caca de ton chien, pouf, 122€. Et si j'ai pas mon masque, faites un forfait ou comment ça se passe? Non, vous avez plus un rond. En vrai, arrêtez. C'est lamentable d'en être réduit là. Il y a des gens, il y a des femmes, elles se font violer. Genre, elles n'ont pas accès aux tests ADN. Et toi, tu prends les tests ADN et tu les mets dans les caca de chiens, comme ça. Tu te dis, mais c'est peut-être pas les mêmes tests, j'en sais rien. Mais si tu veux, quand tu commences à avoir moins de valeur aux yeux de tes dirigeants qu'une merde de chien, il faut commencer, je pense, à se poser 2-3 questions. Il est incroyable, Robert. Il y a des gens, ils ont voté pour lui pour qu'il les débarrasse des islamistes et des racailles. Et finalement, ce sera les caca de chiens. Ouais, je vous avais pas dit, je suis en marche maintenant. Et le pire, c'est que votre loi à la con, elle est même pas fichue correctement. C'est 122€ par caca de chien. Mais c'est-à-dire, il va y avoir un préposé qui va estimer le nombre de caca. C'est complètement con. C'est-à-dire, par exemple, moi, si j'ai un très gros chien qui fait un très gros truc, je prends une seule amende. Alors que si j'ai acheté un petit écalarnu qui fait plein de petites billes, là, je prends cher. Et si jamais mon gros chien, il a fait un gros colombin, mais tu sais, à un moment, il a serré les fesses et il l'a cassé en deux, je prends 2 fois. Ou faut inviter peut-être un huissier qui va nous expliquer que c'est le même caca selon les analyses ADN et qu'il a juste été sectionné au niveau du sphincter. Sinon, l'autre grand sujet, vous vous en doutez, ce sera le sujet un peu tous les jours hein, en ce moment, c'est la colère des agriculteurs qui n'en démord pas. 2e jour de blocage, plus d'une semaine hein, maintenant que les actions coup de poing, coup de pied, coup de tête, coup de coude ont lieu un peu partout dans toute la France. Hein, heureusement, notre leader suprême est à l'écoute des étudiants indiens en Inde. Bah ouais, non, parce qu'il se planque forcément. Enfin, il se planque. Non, attendez, il se planque pas. Non, c'est pas vrai. Il prend des vacances. Et il en avait bien besoin parce que c'est vrai que le Emmanuel Macron de ces derniers temps, là, face à des agriculteurs énervés, il lui manque un truc là. Macron, il est bah, le côté droit déjà, il l'a perdu. Si le côté droit, le côté qui répond aux gens quand on lui pose une question, il a lâché. Ouais, c'est parce que c'est à cause des insomnies. Donc là, on en est rendu à un point, si vous voulez, où Macron, en fait, il pose des questions aux gens quand même. Il a encore cette espèce de lien humain. C'est comme le hamster. Il voit que de l'autre côté, c'est un être biologique, donc il faut peut-être lui sentir le cul, faire quelque chose. Il adresse la parole à la personne. La personne, là, à ce moment-là, donc c'est ce qu'on fait depuis le Paléolithique supérieur, lui répond par une sorte d'oralité. Et non, là, il lâche et il part. Il ne répond pas à la question. Il ne répond plus. Je vous ai fait des difficultés particulières aujourd'hui.
C'est un petit peu tendu, mais je dirais que on a la chance d'avoir des projets qui sont attractifs pour les gens. Mais le problème, c'est que vu que Macron, il est affaibli, et quand le chat n'est pas là, les souris dansent et les députés en profitent pour faire n'importe quoi, des choses qu'ils ne toléreraient pas dans son état normal. Comme par exemple s'augmenter de 300 euros leurs frais de fonctionnement. Hein. Bien évidemment, Marine Le Pen, elle a gueulé. Hein. Attends, elle est du côté des pauvres, elle les défend, elle a dit c'est absolument scandaleux ce que je viens de voter, d'accord? Oui, parce qu'elle venait de le voter, sinon c'est pas drôle. Donc du coup, Marine Le Pen s'est expliqué, c'est un petit peu compliqué, elle n'arrivait pas trop à trouver ses mots, et finalement, en fait, ce serait de la faute des beepers. Parce qu'ils arrêtent, en fait, quand ils votent, ça enregistre mal. Bah changez-les alors les beepers, parce que ça fait 10 ans que j'entends qu'il y a des problèmes de beepers dans ce pays, c'est quoi ces conneries? Je veux dire, moi quand je vais à la poste ça marche très bien les beepers, quand je vais à la sécu ça marche très bien, il n'y a pas de budget, et pourquoi est-ce que les beepers de l'Assemblée, qui prennent quand même les décisions pour 70 millions de personnes, Bestel il a mal mis la cassette et pff, ça marche pas, je veux dire c'est pas normal, vous nous prendriez pas un peu pour des jambons? C'est un raté, bon, je vous le dis très clairement, c'est un raté. Et c'est là où, quand je vois tous ces conflits entre les agriculteurs et le pouvoir... Tous ces conflits qu'agitent la société française, j'ai envie de me dire, est-ce que tout ça ne serait pas simplement la résultante d'une incompréhension, d'une incapacité pour nous, Français, du quotidien, si je puis dire, de comprendre les enjeux, de comprendre que c'est l'avenir du monde qui est en face de nous. C'est en tout cas ce que pense le tonton d'Abélie Oudéa-Castéra, Alain Duhamel. Réformateur, pas simplement réformiste, il aime réformer et il pense que c'est nécessaire. Oui, il est audacieux. Voilà, dans un pays qui n'en a visiblement pas envie et qui se sent déjà bousculé partout. Et alors, moi j'ai une thèse, bon c'est indémontrable tel quel, mais enfin moi c'est mon interprétation. Ah c'est indémontrable en plus ? À mon avis, toi tu pars sur une grosse connerie là. Je pense qu'il incarne le 21e siècle, c'est-à-dire tout ce dont les Français ont peur. C'est pas qu'on a peur, c'est que c'est de la merde. Tu vois, c'est quoi ? Gardez le 21e siècle pour vous, et moi, vous me rendez le 20e, ça me va très bien. Alors qu'il n'était pas fifou au départ. Le nouveau monde incertain. La mondialisation, la numérisation. La numérisation, je t'en foutrais, moi. La numérisation, escroc. Mais bien sûr que t'es un escroc. C'est le numérique, c'est les jeunes. Ils ont peur des câblages, hein, c'est le futur, c'est ça. Tu n'y connais rien. Le pire, c'est que ce fils de pute dans sa tête, numérisation, il pense au Minitel. Il pense à des prises Péritel, il pense à son antenne satellite, il pense à un fax en fait. Parce que c'est ça en fait le summum de l'escroquerie macronienne, c'est pas un truc comme le Sarkozy, tu sais, qui explique, bon là aussi à 50% de la population que c'est des cons qui ont rien compris, mais c'était encore des trucs où c'est de la jeunesse qui explique à des vieux que c'est des vieux cons, tu vois, c'est la logique de l'histoire. Et le macronisme a fait un renversement anthropologique incroyable là-dedans, c'est-à-dire que c'est des putains de boomers qui expliquent à des gens de 35 ans qui sont dépassés. C'est formidable. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour, alors que de plus en plus de personnes accusent notre classe politique d'être corrompue, hein, il existe pourtant des hommes politiques, des femmes et des hommes politiques qui essayent chaque jour de montrer, eh bien, exemple de vertu, exemple de probité, et aujourd'hui je voudrais parler d'Amélie Oudéa-Castéra, qui n'a rien fait. Bah voilà, c'est tout. Elle a pas. Ah non, bah attends, c'est une magouille par jour. Aujourd'hui, là, maintenant, on finit d'enregistrer. Il est, allez, 18h59. Tu n'as rien fait aujourd'hui. Voilà, ni fraude fiscale, ni détournement de fonds, ni favoritisme, ni abus de biens sociaux. Je suis désolé. On t'applaudit et on essaie de continuer sur cette lancée. Pas content. What?